L'évangile de ce dimanche est la parabole des deux fils qui met en opposition deux attitudes. Un père demande à deux fils d'aller travailler dans son champ et le premier dit « non, je n'irai pas » et après réflexion, il change d'avis et il y va. Et le second dit « oui, j'y vais » et finalement, il n'y va pas. Et donc nous avons là deux attitudes et évidemment, le sens de la parabole est que ce qui est important n'est pas tant ce qui est dit que ce qui est fait. Et c'est l'action qui est la marque du disciple, un thème qui parcourt tous les évangiles. Mais là où la parabole est intéressante, c'est qu'à la fin, elle devient très, très choquante lorsque Jésus, s'adressant aux autorités du temple, donc aux dignitaires religieux, dit « les prostituées et les collecteurs d'impôts vous devancent, sont avant vous ». Et donc c'est vraiment un véritable retournement auquel nous assistons, le retournement pour les dignitaires d'entendre que ceux qui sont religieusement les plus éloignés de l'église, de la synagogue, de la religion, et bien finalement, sont ceux qui sont devant eux dans l'économie du royaume. Et donc c'est cette inversion dans l'économie du royaume que nous allons essayer de mieux comprendre dans cette conversation biblique.